délégation Émirats Arabes Unis à prendre la parole. Je vous en prie, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est un grand plaisir de vous remercier au nom du gouvernement et des peuples des Émirats Arabes Unis pour cet honneur qui nous est accordé aujourd'hui en nous confirmant un membre associé dans le OIF. C'est pour nous les témoignages incontestables de l'amitié, de la coopération, de la solidarité qui nous lie avec l'ensemble des pays francophones depuis si longtemps. C'est aussi la démonstration de notre engagement partagé avec l'OIF de la francophonie aux valeurs et principes qui définissent son rôle important sur la scène internationale. Nous considérons que la langue française sert la diversité culturelle et porte en elle les valeurs de la tolérance et de la différence culturelle qui ne peut que servir la culture du dialogue. Elle représente pour nous un héritage humanitaire très important puisqu'elle est ouverte aux diversités culturelles des sociétés. Et c'est à ce titre qu'elle est l'un des ruisseaux qui arrose la terre de la culture de la paix entre le peuple. Elle représente aussi les différentes cultures et civilisations de pays et de communautés membres qui appartiennent aux différents continents et civilisations. Dans ce cadre, l'OIF, dès sa naissance, a déployé des efforts considérables pour faire face aux problèmes susceptibles de menacer la paix et la stabilité dans le monde, y compris le défi de l'extrémisme et de la violence qui pèse aujourd'hui sur toutes nos sociétés. Pour ce faire, elle a également mené le combat des droits de l'homme, de la construction de l'état de droit et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous-mêmes, pays membres de l'OIF, depuis 2010, nous souscrivons à ces valeurs et ces objectifs et participent activement à des différents sommets et actions. L'intérêt croissant de notre pays pour la culture francophone et la langue française s'est traduit par la croissance des communautés francophones aux Émirats. Le français est parlé par une importante communauté d'Émiriens et d'expatriés, une communauté francophone qui s'accroît avec autres des résidents français, belges, suisses, des Canadiens, québécois. Nous avons constaté l'installation ces 10 dernières années des nouveaux venus de pays africains francophones. Et suite à la visite du président de la République française en novembre 2017, le français est de nouveau enseigné dans les écoles publiques. Membre de l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Sorbonne Abu Dhabi, Université de droit émirien, rassemble 800 étudiants de 67 nationalités différentes. Et qui dit langue, dit culture. Premier musée universel du monde arabe est fruit de 10 années d'intense collaboration avec l'Agence France Museum. Le Louvre Abu Dhabi a ouvert ses portes en novembre 2017 dans un cadre exceptionnel conçu par l'architecte Jean Nouvel. Les Émirats entretiennent d'excellentes relations avec les pays membres de l'OIF. À l'heure actuelle, ils sont engagés dans 383 accords avec ce pays dans les domaines divers. Les investissements émiriens dans le pays francophone s'élèvent à 82 milliards de dollars dans de différents secteurs. L'autonomisation des femmes, le développement de l'énergie durable, l'action climatique, le travail sur l'éducation et la pauvreté et l'amélioration de la santé sont au cœur de la réalisation du plan stratégique national. L'engagement des Émirats arabes unis au sein de l'OIF n'est fait que se renouveler, c'est avec un regard empreint de convictions et d'espoir que nous entamons avec vous cette nouvelle phase. Merci.